À l'heure actuelle, et ça a toujours été le cas, nous sommes monoproduits. Nous sommes producteurs de lasagne. On produit uniquement la lasagne et la lasagne, par contre, dans différentes recettes. Donc, d'abord, on travaille plusieurs types de viande, la viande de porc, la viande de bœuf et la viande de poulet. Ensuite, on fait une recette verdée et en très petite quantité une végétarienne et une saumon, mais toujours la lasagne. Et alors, par contre, notre core business, vraiment, c'est de privilégier la qualité, proposer un produit qualitatif. Et ça a vraiment été le leitmotiv de Monsieur Delfosse depuis ses débuts et il le maintient jusqu'ici. C'est vrai qu'on est industriel parce qu'on doit pouvoir produire des quantités. Donc, la moyenne, c'est 10 tonnes par jour. Donc, c'est clair qu'on est une industrie. Par contre, on a toujours l'aspect humain qui est vraiment très, très important au sein de notre entreprise et qui, à tous les niveaux, donc, a encore une influence. Donc, ça, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on produit comme à la maison, mais en grande quantité. On travaille avec la majorité des grandes surfaces. Sinon, vous pouvez les retrouver directement ici à l'entreprise, puisque des consommateurs peuvent venir directement chercher leur lasagne. On peut les trouver donc dans les collectivités ou alors via tout ce qui est Action Lasagne, puisqu'on est couramment sollicité donc pour la livraison de lasagne dans ce cadre-là, puisqu'on livre à partir de 250 lasagnes. Quelques chiffres pour illustrer l'activité de la société. On a un chiffre d'affaires qui avoisine les 10 millions d'euros. Par jour, on produit en moyenne 10 tonnes et nous employons 50 personnes, plus les intérimaires auxquels nous recourons. On a 5 camions donc, propres à la société qui nous permettent donc, les livraisons en Belgique et le frontalier. Après, on a recours également à des transporteurs pour tout ce qui est l'étranger. Et en termes de répartition du chiffre d'affaires, donc, on a 65% du chiffre d'affaires qui est réalisé en Belgique et le reste à l'étranger.